face à je te pique des yeux. On a le droit à tous des noms d'en bas. Hey. Oh là. Les attaquants, on dirait qu'ils ont l'air de beaucoup rusher. Ils essaient de prendre possession. Ouais, je pense que ça va recouper le live. Je lag comme ça, ça se peut pas, mais je comprends pas pourquoi. Ah, ton live, il est... Ouais, c'est... Mais là, je l'ai redémarré, est-ce que tu le vois? Non, attendez, je veux dire... Ah, ça revient en direct, là-bas. Termite va venir faire la frag, tu vas déjà passer. Et tabarnak, ouais, j'ai... Mako, Et ça va être Jagger, ça va être du... le jeu. Est-ce que ça marche? Ouais. Hey, ça bug par contre. Je pense qu'il va falloir... Il neige-tu dehors? Ouais, je crois pas dire. Avec Bren, Bren, il fait un cast. Je voudrais que je vienne directement dans le game. J'aurais pouvoir voir ouais, ça en direct. Oh mais ça marche pas comme PC. Oh là là, je te zigne les yeux, 1 moins 1v2. Et malheureusement, il va venir se faire sortir par la SMG encore. C'est 2 à 0 pour L2, R2, L2. On dirait R2 des deux, là, mais... Aruni, qui est interdit, on le rappelle, la mouche qui... la mouche qui s'en allait prendre à Aruni, qui s'est fait... Oups, c'est vrai, je peux pas la prendre. Yes. Ça commence déjà. Ça commence un peu dur du côté des yeux, on dirait qu'ils se font un petit peu laver. Moi je trouve que la team des yeux qui rush un peu trop, qui devrait prendre un peu plus leur temps ou vraiment plus d'informations parce que là ils se font backer pis tout. Ton live il est pas il est pas revenu. Ben moi ça me dit que j'ai deux personnes sur mon live. Ah moi que ce soit juste moi. Ah! Je pense que c'est ça. Ouais mon live il est revenu. Ouais, j'aimerais bien se caster, mais là je joue pas en temps réel. Ouais, c'est pas comme sur PC. Mais toi t'es là, au moins tu peux faire comme l'autre personne la dernière fois. Ça veut dire que toi t'es là pour faire des commentaires du match, genre ce qui s'est passé pendant le match. Ma bad guys, la live il avait coupé. Dans le fond, je suis cool parce qu'en même temps, même si c'est une petite délai, quoi, tu peux voir. La connexion ces temps-ci, c'est un peu la reste là. On fait de notre mieux. Faut qu'au moins que la team les yeux qui mettent une manche. Salut Alex. Tu des teams officiels ou bien. Bah, officiels, des teams québécoises là, officiels québécoises là. Ouf. C'est vrai qu'on se fasse caster maintenant. Lésion, ben je peux toujours caster. Lésion qui va venir mettre une belle petite tête à la Finca. Carnage qui se fait déjà sortir, ce qui me surprend très fort de Carnage direct en partant. Carnage qui est très très fort d'habitude. On dirait qu'en ce moment c'est pas trop son mood. Gros d'accord d'être à chier en tabarnak. Hey Alex, t'as pas envie de jouer avec nous à Edward? Et ça va être Chekrev Lazier qui va venir chercher la frag face au Legion. On s'en parlera tantôt Alex, c'est pas le moment. Je joue plus trop ces temps-ci, je suis plus à Assassin's Creed. Ouais, j'en marque ça. On a 1 minute 50 à jouer, c'est du 4v4. Est-ce que l'attaque vont enfin pouvoir venir essayer de prendre un objet? Et oui, ça va être juste crève les yeux qui vont venir chercher une deuxième frag qui est déjà rendue à la double kill. C'est déjà rentré du côté de l'attaque, peut-être qu'ils vont tenter un plant. Ça serait le moment. L'objet qu'on rappelle qui est main. Et piano, ou oh, Jagger qui vient venir tout de suite manger des balles. D'accord, il fait honte à la 7 à 0. On a déjà le Sledge qui est in, comme on peut voir. Et ça va être la Mélusée qui va venir chercher une frag, qui va venir éliminer la hache. Qui va arrêter le carnage de la hache. Qui est très très low, qui est la mouche.
La mouche qui se fait suivre par je te pique des yeux. Oh, le wallbang qui pourrait passer. Si on le saurait, si on aurait l'information. Malheureusement, on n'a pas l'information. C'est tellement beau quand on a ça devant les un à côté de l'autre. Et on va avoir. On va avoir peut-être le plant du côté de la Zephyr. C'est le moment qui devrait plant le temps que c'est son allié de cover. Et on a la mouche en haut, la mouche qui se fait shotter, la mouche qui est injured. C'est le moment de plant comme qu'on dit pendant que son teammate il protège, il va rusher. Et ça va. Oh! Bon ben. Good job à la team des yeux. Malheureusement, j'ai bugué. Écoutez, la connexion en ce moment ici, c'est la raise. C'est un peu. C'est ça. Yep. J'ai déjà la team des yeux qui sont venus mettre une manche. C'est de 1 à 2 à date. Ils se rattrapent, c'est ce qu'il faut. Ça, oh, ça va jouer glace peut-être? Peut-être non. Malheureusement, ça va switch. Ça va prendre glace pour Ying. Oh, un petit mozi à place, mais pour un vigile. Yeah, yeah. On voit que ça va donner. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, c'est le moment parce que je me casse d'autres games. Inquiétez-vous pas, les prochaines fois, la connexion va être meilleure. Là. Je vais reboot ma connexion la prochaine fois. 1000 de ping. C'est malade. Je pense qu'il va falloir redémarrer mon réseau. Moi, je vois lag en temps de Dieu, man. Ouais, vois... C'est des nœuds, ouais. Ça va attendre. Il a jamais resté sur l'objectif. Puis là, quand on lise, du coup, il se force. Alors, même toutes les games qu'on fait avec, il se répète en vue. C'est plate. Du plate. Ouais, c'est. En gros, c'est tout du platine. Ouais, Alex, Alex, on va se calmer un peu, big. Hey, c'est comment ça pour la quatrième manche, c'est 2-1. Je trouve ça drôle, Vince, à chaque fois les gens ils me posent la question « Ton jeu est en quelle langue? » En portugais. Mon jeu, il est en portugais. Parce que si t'écoutes bien avec le son... Oh! Oh là 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 là! Le vigile qui s'est mangé une belle petite tête face au Ace. Le termite qui est très très lourd. Derrière, on a le Wamai qui est venu chercher la frag. Dark, il est Silver Cat. Ok, il est vraiment Silver. D'accord. Je crois qu'on se fasse casse. Oh, le Jagger qui a une très très belle ligne, malheureusement, qui se fait shoot, qui est très très low. Oh! Je pense que Wamai qui a fait un run-out, même pas, il a pété le seul qui est venu chercher la frag. Ce qui est Dark en plus. C'est... Oh, 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 peut-être. Wamai face à Ash. Ash Wamai qui va le remporter. Moi je dis que c'est Will. Je te crève qui va. Ouh là là, le reflex shot de Dark qui est venu mettre une belle tête à la Ash. C'est qui est rendu 1v4. Dark va se faire down. L'information, son équipe a l'information. Lésion qui va venir peut-être rush. Va mettre sa tête peut-être. Lésion face à Ace. Le wallbang peut-être qui passe. Et Lésion qui va shotter dans le mur. On a l'information du côté d'Ace. On est en 1v3. Ok. On a l'information, on sait que le Lésion y est là. Ça va être Ace face à Vigil. Face à Vigil, face à Lésion. Ça va rusher. Ouh là 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 là. Je te pique des yeux qui a mis très très low Delta. Ça va rusher. Je comprends pas, Jagger. Ok, ils gardent leur ligne, ils vont vraiment jouer le temps, ils préfèrent jouer l'objo. C'est une très bonne stratégie du côté de leur, des défenseurs qui décident de prendre leur temps, qui vont défendre à la place de venir rusher puis risquer de se faire tuer. Lésion qui est toujours en gunfight face à Ace. On a l'information, on sait qu'il est dans le bathroom. Peut-être la tête qui va passer et Lésion qui est venu mettre très low le Ace.
le Ace qui est rendu en 1v2. Il vient de se faire une triple kill. Peut-être la Ace, peut-être qu'il va faire le clutch. On y croit, on y croit. Il y a 15 secondes pour faire le clutch. Malheureusement, d'après moi, ce sera pas faisable. On n'a pas l'information en plus. Et le Jaeger qui a l'information qui est couché devant. Et ça va être la mouche qui va venir tuer. Je te pique dans les yeux avec une belle ligne du côté de la salle de bain. Good job à la mouche qui a très bien joué, qui a gardé sa ligne. Du côté de la défense, ils ont très bien joué. En gros, ils n'ont pas piqué. Puis pour vrai, je pense que ça a été une très bonne stratégie de leur part à place de risquer leur vie. Et ça va être 3-1 du côté de R2L2. Je commence à bien le dire. Je te crève les yeux qu'il aime bien, bien, bien gros sa hache. Il a l'air de pas vouloir la lâcher. On a fait un fake Mozy pour prendre un Mozy. Vince, t'es encore dans le live? Oui. Ça me dit qu'il y a zéro personne. T'es encore sur le live? T'es sûr? Ça me dit zéro personne, je suis genre ouch! Non, non, je suis pas là. Alright, alright. Tout le monde. Alright, la cinquième manche qui part, on est rendu en 5v5, ma connexion qui a l'air d'être bien revenue. J'ai prié la neige. Oh, je te crève les yeux. Hein? Le dieu du réseau. Ouais. Oh là 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 là, d'accord, qui vient encore faire une frag, qui va venir éliminer le Ace, qui peut être une grosse perte. Mais peut-être pas, vu qu'ils sont en haut. On a peut-être pas l'information. Ouais, on a l'information du côté de Jaeger. Jaeger qui est en run. Qui va venir tout de suite se faire shutter. Qui est mieux de retourner à l'Objo. Sinon, on a. On en a. Un qui est Objo. Sinon, ça joue entre les Objo. Ça va être juste Zing les yeux qui va venir tuer Jaeger. Toutes des noms, hein, Vince. Et je te Zing les yeux qui va faire une deuxième frag. On a. Un Reaper là, un Reaper là. On va aller voir un petit peu du côté de je te Zing. Moi j'adore comment c'est fait le système de mode spectateur là, de Rainbow là. Oh la C4 qui passera pas, le coup de pompe qui va passer de la mouche, je te crève les yeux. On a Carnage qui va activer son dernier Pinka. Sophia qui est en Ripple. Ça va jouer vraiment Objo du côté de Septix. Peut-être plus différent du côté de la mouche. La mouche peut-être va faire face à face à Carnage. Carnage qui aura peut-être pas vu la mouche. Et Carnage qui aura vu la mouche. Qui a malheureusement qui aura manqué son coup de pompe. Ma connexion qui est toujours une belle tête à Carnage. Tu voulais savoir le rank en général, Vince? Lésion qui est venu mettre une belle tête aussi. Ah 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 ah. Zofia. Qui vient de se faire la moins 2. En gros, Platine Diamond. Ce gars-là, il est Diamond. Il a été Diamond. Ok. Ouais, ça. On a affaire à. À du. Pas pire level. Pas pire, tu dis. Oh, je te zing face à Mozy. Puis derrière, on a Lésion qui est prêt à venir chercher la refrag. On a l'information, Mozy qui va venir shotter. Et ça va être Lésion qui va venir mettre un décal shot. Ah, je te zing les yeux. Qui va venir remporter une autre manche pour son équipe. J'ai déjà lu. Ouf, la belle petite tête qui passe. Avec le coup de la maladie de Parkinson. Yeah.
Bon ben Vincent, je te laisse caster un peu, je m'en vais me chercher de quoi, bon. Il y a pas grand chose que je vais prendre. Vive la haute connexion! Ma bad guys! Hey, la première fois! Frère, ça va être peut-être une triple kill du côté Delta Delta qui va venir commencer à chuter dans le camion. Et ça va être non! Et ça va être Sweetie Blue aussi qui va venir chercher la frag face à Jagger et qui va venir se. Ouais, la première frag. Ça va jouer peut-être plus défense côté repli que côté de la bombe B. Du côté de la défense. Smash Rocket qui va venir chercher la frag. Derrière, ça va être Chapik Danger qui va venir chercher la frag face à Septix. On a, il nous reste la mouche avec son maestro qui va peut-être essayer de s'enlever le plus de vie possible avec d'accord. On a, il reste la gridlock plus la twitch. Peut-être en retour. Oh! Je te pique les yeux peut-être. Ça va être le Wamai peut-être qui va tenter de venir. Mais la tête passera pas face à la gridlock. Ouf, Smash Rocket qui perd beaucoup beaucoup de vie. Qui va venir chercher la frag pareil. Il reste la twitch. Twitch qui est en 1v3. Qui est derrière. Wamai qui est très low, on a Maestro qui est full life, derrière on a Wamai, Wamai qui va venir tirer dans le dos de la Twitch. Twitch qui est très très low, qui est un HP face à Wamai et ça va être le Wamai qui va venir chercher la frag. Et ça c'est le scoreboard à date. C'est 5 à 1 pour R2 L2. Les yeux qui ont un petit peu plus de misère dans cette map, en plus c'est les autres qui ont choisi la map. Et ça switch. Peut-être qu'on va avoir un petit comeback du côté des yeux. Peut-être qu'ils vont être meilleurs à défense. Consul-là qui est quand même une petite map que tu fais le tour assez vite de la map. En tout cas, ça y va fort du côté des frags de R2L2. Il y a 6 personnes en live. Bon retour à tout le monde. En fait, c'est mon retour. Inquiétez-vous pas, d'ici les prochains jours aussi, je vais me recaster si jamais vous voulez me regarder. Ça ferait un plaisir car c'est mon grand retour. Et on va directement aller en haut. Admin, du côté de les yeux. On va voir ce qui nous réserve la team les yeux. 2000 de ping. Génial. Sinon toi Evan, ça va bien? Tranquille, tranquille. Tu parles pas ben gros en tant que guest? En gros t'écoutes pis t'apprends? Non, je pourrais pas caster vraiment parce qu'il y a un décalage assez énorme mettons. Ouais ben, le décalage en gros il est fait pour ça. C'est parce que s'il y a des équipes de... s'il y a des membres de l'autre équipe qui décident de venir sur le live, il y a un décalage justement pour pas que les gens ils font « Ah, lui il est là! » Parce que si on mettrait pas de décalage, ça ferait qu'il arrête du streamax. Tu sais, c'est déjà arrivé auparavant, fait que c'est pour ça qu'on a mis un décalage. Parce que sinon, ben là, tu sais où c'est qu'il est, fait que tu mets juste ton téléphone à côté, et puis là, un exemple, je suis sa vue du gars qui est à côté de toi, fait que ça fait ça. Attends, t'as l'air de bien se passer. Oh là 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 là. Carnage qui vient se faire directement sortir par Delta. Les yeux qui ont de l'air d'être en misère,
Oh 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 oh! Et la Zofia qui vient se faire surprendre par Légion. Légion, il y avait une très belle ligne couchée. Très beau, très belle ligne à lui. Pour lui, de ma part, moi aussi, je prends cette ligne-là des fois. Et la très belle ligne de Légion qui vient chercher la frag face à l'IQ. On est rendu à une double kill. C'est du 4v3 date. Oh, c'est déjà rentré en site. Blackbeard. Il y a Smasher Kid. On a l'information peut-être du côté des yeux que c'est rentré Blackbeard. Et malheureusement, désolé du lag, là, guys. Je vais m'arranger pour que la prochaine fois ça n'arrive pas. Et Blackbeard qui me met une tête à acheter crève des yeux, qui me met un beau one tap. Il nous reste Jagger. Puis Vigil qui est en très mauvaise posture, qui aime bien mais... Une ligne bien moins pire. Occupé. Oh la mouche qui vient se faire tirer salle de bain du côté de salle de bain, ça va planter du côté de l'attaque, on a l'information. La percue qui va peut-être pas passer malheureusement, on a Vigil qui... Ils veulent vraiment sortir la mouche parce que la mouche qui a l'avantage, malheureusement ça va être le Blackbeard qui va venir chercher une triple frag, peut-être la quadrip. Et le chien qui se fait péter derrière, on a la mouche qui vient se faire sortir par Jagger, je te pique des yeux et qui fait au Blackbeard. On a l'information. De 1v2, peut-être qu'il va se faire la moins 2. Ça va tenter le run. Et malheureusement, Blackbeard l'attendait. Il savait qu'elle allait être là. Très beau jeu à lui. Et c'est une autre manche remportée par R2L2. On est au point de match du côté de leur équipe. C'est le temps des yeux de se rattraper. Attends, on a droit à une très belle prestation du côté de... Du côté de R2L2, je m'attendais un peu mieux du côté des yeux. Je les avais déjà vus jouer plusieurs fois. Oh, on a Ella Bandito et Legion Illet. On change une IQ pour le Capital. La mouche encore avec sa Twitch. D'ailleurs, on a un Termite parce que ça va jouer tout en bas. On le sait très bien. Ça ne fait pas de Thatcher. Si le drone Twitch fait péter ses deux drones, ça va être l'avantage du côté de la défense. Mais pour le moment, ça reste à voir. La mouche qui s'amuse tranquillement avec son drone, qui va péter la plupart des caméras tout de suite. On va péter la caméra spirale. Vas-y la mouche. Bang, plus de caméra spirale. On va aussi péter la caméra en haut du côté de l'admin. Oh, on a aussi l'information que la LA est là. Bang, plus de caméra du côté de l'admin. Il a la fiche de crève les yeux peut-être qui tourne en rond. Il risque de se faire tuer. Oh, spawn kill au pistolet. Peut-être. La LA. On a le capier. Capital que l'information. Bandit qui a arrêté de bouger et qui va bandit truc. Comme c'est magnifique. C'est de toute beauté. Oh, ça passe son termite. Du côté de niveau. Oh, le fake termite. Oh, le fake termite, ça joue avec le bandit. Ça joue avec le bandit. La breach, la première breach charge qui va se faire péter. Très beau jeu au bandit. Et le termite. Termite qui va mettre sa breach charge au milieu. Le bandit qui va mettre son bandit. Et non, il va l'enlever. On a les 4 ennemis dehors en face. Ça s'amuse. Ça pose à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça va poser son ace pour faire diversion. Ça va mettre le termite du côté de la droite. Ça va breach aussi et le bandit va se faire tuer par la termite. Et non. La chance du bandit qui vient d'avoir. Très beau jeu. Parce que le bandit qui a très bien joué malgré tout. Pour vrai, ça a été un très beau jeu de gauche-droite, gauche-droite. Et le termite qui a plus de breach charge. Il nous reste le ace. Oh, je te signe les yeux derrière. Qui va venir se manger des balles. Qui va faire un petit turn face au termite. On a 1 minute 35 à jouer. Point de match R2L2, c'est le moment de la team des yeux de se rattraper. Ça va jouer moins jour du côté de la team R2L2. Ce qui va faire que la team R2L2 prenne déjà possession de l'objo. Ils sont déjà 4 dans l'objo, c'est du 2v5. La frag face à Twitch qui passe. Les 5 ont objo.
La LAC va venir en back et 1, ça va être du 2v3. Tu vas plein du côté de la mouche qui va venir sécuriser ça pour son allié. Il nous manque le Lésion, Lésion qui est pas abjo. Ça va shooter, ça a déjà plein, c'est du 1v3. Il reste, je te crève les yeux, la LA qui va venir chercher une frag. Deux frags, qui est rendu à 1v1, qui est rendu à 7 triple kill, peut-être le clutch. Qui va faire peut-être un fake defuse. Le Termite, Termite qui va venir rusher la LA. Et, oh, très beau jeu du Termite. Et de la LA qui aurait pu se faire la moins 4, qui est très pas, il est passé très peu. Malheureusement, c'est la team R2L2 qui va l'emporter. Ça a été une très belle game, par contre. J'ai joué aux deux équipes. Puis Vincent, est-ce que ça brasse plus que qu'est-ce que tu pensais? Une belle job. Ben oui, il y a très bien Banditrick pour vrai, là. On pouvait pas demander un meilleur. Les deux sont fake, puis c'était parfait, là. C'est vraiment une scène. Ok, donne-moi 2 secondes. Bon, ben, GG aux deux équipes. GG. GG. Moi, je tiens à dire que Alex Chabot se fait KO par un silver avec 0.7 de KD. Sceptique, je suis le loser. C'est qui va être de drop des kills. Bon, ben, bon, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'ai pas eu grand vie. Puis à la prochaine. J'ai un contre Dark Web. Salut, Rekiller. Ça me fait plaisir. La mouche, t'as-tu quelque chose pour mon live à dire avant que je le ferme? Ouais, la mouche Streamac. Alex, t'as un boss? La mouche Streamac. La mouche Streamac. Yes, la mouche Streamac. La mouche Streamac. Bon, ben, bonne soirée, les boys. Bonne soirée. Salut. Bonsoir. Bon, ben, c'est la fin du live, fait que bonne soirée, tout le monde.